Salut à tous, c'est Lily Tech. Aujourd'hui, je vous montre comment supprimer une ou plusieurs pages blanches, pages vierges dans votre document Word. C'est très facile, très simple. Avant de commencer, je vais d'abord aller dans Affichage et ouvrir le volet Navigation. Volet de navigation, voilà. Comme ça, je pourrai voir toutes les pages. J'ai 6 pages actuellement, donc je vais supprimer toutes les pages vierges, première, troisième et cinquième. Donc, je vais dézoomer, même comme vous voyez déjà. Voilà. Pour supprimer toutes ces pages vierges, en un seul clic, on va aller dans Accueil et on va cliquer sur Remplacer. Et dans la barre de recherche, ici, je vais cliquer sur ce symbole-ci et M. Je vais mettre une petite capture sur la vidéo pour vous montrer où se situe ce symbole-là. Voilà. Et je clique sur Remplacer si je veux supprimer une à une mes pages, mais si je veux tout supprimer d'un seul coup, je clique sur Remplacer tout. On va commencer par cliquer sur Remplacer. Voilà. Et si je clique, vous voyez, la première page a été supprimée. Maintenant, si je veux tout supprimer, supprimer les deux dernières pages, je clique sur tout remplacer. Vous voyez le résultat, il me reste 3 pages. Toutes les pages blanches ont été supprimées, donc je clique sur oui. Ok, et ok. C'est aussi simple que ça. Je clique sur fermer. Si vous êtes intéressé pour plus de tutoriels sur Microsoft Word ou bien d'autres logiciels, je vous invite à parcourir la chaîne, à vous abonner, à liker et à commenter et à partager. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!